d'un séjour, d'une croisière, d'un circuit, d'une escapade de quelques jours? Seul, en famille ou en groupe, notre spécialité, le voyage sur mesure. Notre seul objectif, le voyage de vos envies. Objectif voyage, 6 rue Georgin, place du Marché Couvert, Épinal Centre-Ville. Ça s'est très bien passé, un circuit avec des beaux virages où j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Par contre, c'est avec la grosse partie de route, je suis pas trop puissante, donc je perdais beaucoup de temps. Par contre, je remercie vraiment tous les spectateurs parce que bon, quand on a une fille dans le vélo, ben, c'est pas toujours évident. Et là, j'ai été encouragée tout le long par tout le monde et ça fait vraiment chaud au cœur. Et je crois que c'est la première course où je suis autant encouragée. Et voilà, de courir qu'avec des garçons dans un sport assez macho, ça m'a fait vraiment plaisir. Je remercie vraiment tout le monde. Le circuit était sympa avec ses conditions, forcément. Moi j'aime bien la boue, hein, c'est sûr, hein. Mais bon, c'est toujours plaisant parce que ça roule bien et tout ce virage technique, c'est sûr que moi je me fais vraiment plaisir, quoi. Après voilà, c'est un circuit abordable à tout le monde avec le soleil, donc je pense que tout le monde se fait plaisir sur une journée comme ça. Satisfaite de ta place ou t'avais pas d'ambition particulière? J'avais pas d'ambition particulière. Je voulais retrouver la forme, retrouver des bonnes sensations de vitesse et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis vraiment fait. Une fois que la forme est là, on se ressent vraiment bien sur le vélo et voilà, quand on arrive à prendre les virages vite, c'est qu'on est quand même bien. Et je me suis pas pris de tour par Steve et par les premiers élites, donc ça on va dire que ça c'est ma satisfaction personnelle. Bon, les échéances principales, ça sera en janvier. Comme d'habitude, le mois de janvier. Hein. D'ici là, il y a encore beaucoup de travail et puis voilà, quoi, je vais continuer à m'entraîner chaque jour. Fabien, non ? Oui ! Allez, c'est bien là, allez ! Voilà, une course pour moi un petit peu spéciale parce que bon, j'ai déjà raté le départ, donc au bout de la ligne droite je devais être 20e. Après j'ai essayé de remonter le plus vite possible et je suis revenu en 8e position, je pense, je tombe. Donc, je repars en 12e position et après toute la course, j'ai chassé toute la course. En fait, mais bon, j'ai fait une belle course, je suis content, les sensations sont là. Donc maintenant, voilà, il n'y a pas. Le train de Steve Chanel était impressionnant comme souvent ici. Il est chez lui, donc il est imbattable, hein, sur ce circuit. Donc maintenant, c'est bien, il a gagné chez lui, donc c'est très bien. Ouais. Non, je suis super content pour lui. En plus, une belle journée avec beaucoup de monde, du soleil, donc tout pour faire une belle journée. Bon, tu rejoins donc la Cross Team by G4, c'est ça, hein? Ouais, je rejoins à partir du 1er janvier, je serai avec les couleurs de by G4, donc c'est vrai que ça, c'est une nouvelle expérience, enfin une nouvelle aventure qui commence pour moi, donc je suis content, je vais arrêter la carrière sur route et refaire du cyclocross. Ouais, c'est un nouveau challenge avec Steve que tu connais bien, forcément. Ouais, c'est un nouveau challenge, mais bon, on peut pas dire non plus que je vais mettre une pression énorme, hein. Ce sera avant tout de prendre du plaisir et voilà, que c'est pas à 36 ans, je vais pas me refaire une carrière à 36 ans, donc ce sera avant tout de me faire plaisir et puis pourquoi pas apporter des conseils aux jeunes cyclocrossmen. Sur le calendrier, t'as noté quelques courses importantes quand même? J'en ai pas 50, hein, j'en ai coché qu'une, hein, donc maintenant je pense que tout le monde sait laquelle, donc ce sera championnat de France à Besançon.
avant toutes ces courses-là, ce sera des courses de préparation. Et voilà, après, je me connais, hein, j'ai 36 ans, donc je sais comment il faut faire pour se préparer pour un championnat de France. Donc, voilà. Allez, Steve, Ah ouais, grande satisfaction. D'abord, je me suis dit ça va être un cyclocross où il va y avoir beaucoup d'inaccessibles avec Gadré, Steve, j'ai vu Absalon, etc. Et puis finalement, je me suis dit j'ai rien à perdre, je vais faire un départ assez rapide comme je sais les faire. Puis en étant bien placé, et puis la course se passant plus ou moins bien pour moi, j'étais assez dans les bonnes roues, on va dire. Steve qui part devant, creuse l'écart tout de suite. Laurence Pisser qui met un gros rythme dès le départ, difficile à suivre. Et en essayant de suivre ces deux-là, je me suis retrouvé à la troisième place et avec un trou derrière. Et pendant un bon moment, j'ai roulé comme ça. Et puis c'est Gadré qui revient sur moi avec Julien Absalon. Et en essayant de suivre John, je me suis rendu compte qu'il avait encore un peu plus de puissance que moi. Et c'est finalement avec Julien que j'ai fait la deuxième partie de course. Et là, on se comprenait bien, on se faisait un tour sur deux l'un devant l'autre. Et puis ça s'est super bien passé. Et sur le finish, en plus de ça, j'ai réussi à sprinter comme je voulais et j'accroche la quatrième place. Donc ouais. Moi, étant vététiste, c'est un peu un rêve de rouler avec un gars comme Julien et faire la course avec. Et en plus de ça, réussir à le battre, très grande satisfaction aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'attend désormais ? Alors, maigre objectif, on va dire, puisque je ne vais pas au challenge ce week-end. Je vais à Vigneault, donc le cyclocross de Commercy. Et puis, toujours en ligne de mire, les championnats de Lorraine. Il y aura Yann Gras qui est très fort en ce moment, donc il va falloir être en forme. Et puis, dernière manche du challenge national à Flamanville. Et puis, on termine la saison en championnat de France à Besançon. Laurence Pisser et son beau maillot bleu blanc rouge qui relance. Là va Singer, la ligne droite, la troisième Steve Chanel. Alors que sur la ligne, passe Yann Gras et Hervé Rida. Absolument, nous revenons tranquillement sur cette épreuve organisée par toute l'équipe de l'Espagne. J'ai pris un départ correct, mais après à l'entrée du champ, c'est vrai que j'ai un petit peu cafouillé, je me suis retrouvé dans le flux à la 10e place. Après j'ai laissé un petit peu de jus pour remonter malheureusement. Bon, il y a pire, hein, il y a John qui est très très mal parti. Après, c'est vrai que j'ai fait l'effort pour monter très vite sur Julien Absalon et Vincent Simil entre autres. Après j'étais longtemps deuxième, je me suis dit bon, apparemment c'est acquis. Et je voyais John qui se rapprochait de plus en plus, donc j'ai bien compris qu'il fallait que j'attende pour qu'il me tire les bouts droits, pour éviter d'être seul vent de face. Bon, John est passé trop vite. J'ai pas pu prendre la roue et après c'est vrai que j'ai plafonné à 5-10 mètres derrière et j'ai jamais pu recoller John même si il s'en est fallu peu pour le passer juste avant la ligne. Ouais, ça allait très vite, en plus les conditions étaient optimales. Ouais, grand, beau, chaud, enfin chaud, juste ce qu'il faut. Un circuit très très rapide, c'est vrai que c'est pas pour m'avantager, il y a très peu de dénivelé, voire quasiment pas. Sur la route, j'ai bien vu que je peinais un petit peu face à un grand nombre de concurrents. Après, je me suis fait plaisir aujourd'hui, même si j'aurais bien aimé voir un peu plus la roue arrière de Steve. Qu'est-ce qui t'attend comme compétition maintenant ? Ce week-end, ce sera direction la Suisse, peut-être que Steve aussi d'ailleurs, à Madisville. Ensuite, je serai sur Pierrick dans le 44 et la Mézières ensuite, avec Steve aussi qui sera de la partie. Du garage qui est à l'opposé du circuit dans quelques instants, le passage pour la tête de course. Et Steve qui remporte la victoire. Bravo Steve.
Très 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 satisfait de la journée. Il y avait beaucoup de spectateurs, 120 coureurs au départ, c'était assez fou. Tout le monde connaît le 11 novembre maintenant Saint-Étienne, c'est institutionnel je crois. Ton temps, il est meilleur que d'habitude ou t'as plié le parcours en 3/4 à peu près? Je sais pas du tout. Après, c'est vrai que je suis sorti assez rapidement au premier tour. Je savais que c'était sur la route que j'allais faire la différence et ça tourne quand même pas mal. Donc voilà, j'ai fait le forcing et après, j'ai pas baissé de régime. Je voulais vraiment être régulier toute la course. Il n'y a que dans le dernier demi-tour que j'ai profité quand même des spectateurs et j'ai très content de lever les bras. Ouais, beaucoup de relance et un public incroyable. Hein. Ouais, un public incroyable, comme d'habitude, tout le monde est content, il y a le champion olympique qui était là, Julien, il y a John, champion de France Master, moi, il y avait mon épouse, voilà, c'est... Je ne sais pas combien il y a de cross en Lorraine où il y a 120 coureurs, mais pas beaucoup, donc aujourd'hui c'est une vraie réussite, tout le monde est super content, il y avait du beau spectacle. Qu'est-ce qui est censé apporter John Gadret au sein de ta formation l'année prochaine? Beaucoup d'expérience, et puis ouais, un gros coup médiatique, hein, quand on a fait 3e du Tour d'Italie et puis qu'on signe chez nous, c'est aussi surtout amical, mais ça nous met un gros coup de projecteur. John il fait 2 aujourd'hui et laissez-moi vous dire qu'au chemin de France à Besançon il sera là pour jouer le titre aussi, donc ça va faire, on sera double frappe, hein. on va être 2 à vouloir briguer ce maillot et on aura le même maillot, donc avec un brin de tactique et surtout de réussite, on peut aller chercher ce maillot bleu, blanc, rouge. En tout cas, ça sera l'objectif, ça c'est clair. Tu parlais de prendre du plaisir, forcément à 36 ans, les ambitions vont être plus mesurées, on va dire. Bah, disons que contrairement à quand on a 20 ans, on est un peu moins fougueux. Moi j'ai 32 ans aussi, j'ai 2 enfants. C'est sûr que si je loupe mon championnat de France, je ne vais pas me tirer une balle en rentrant, ça m'est jamais arrivé. Mais je veux dire, je vais pas non plus. Ça ne changera rien. Lundi matin, à 8h30, j'amènerai mon gamin à l'école. Alors que c'est vrai que quand on a 25 ans, on est toujours plus déçu, on se met beaucoup de pression. Là, avec John, voilà, c'est le mot plaisir, amusement, dépassement de soi, les vraies valeurs du sport, tout simplement. Quoi. Et encadrer les jeunes. Ouais, les jeunes. Après, c'est vrai que dans la structure, on n'en a encore pas, mais on espère vraiment accueillir l'année prochaine des cadets, des juniors, des dames. On veut vraiment que tout le monde soit équipé de la tête aux pieds convenablement, que on. Voilà, quand on voit le monde qu'il y avait aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas comme en Belgique? En Belgique, des courses comme ça, c'est 15 € l'entrée, il y a autant de spectateurs, parce qu'on vient voir un vrai spectacle, on vient voir 5 vraies courses, et aujourd'hui, bah, c'est une vraie course élite. Bah, je pense qu'on peut le faire avec plusieurs catégories, avec des champions du monde, des champions d'Europe, ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Donc en tout cas, voilà, nous on a pris le taureau par les cornes, et on a décidé de monter notre structure, on a des partenaires qui nous suivent, c'est génial. Voilà, pour l'instant, on n'a pas eu trop de bâtons dans les roues, donc ça roule. En tout cas, il a bien évolué. On garde l'esprit de 2012, et notamment la première montée assez longue, qui avait beaucoup plu. Par contre, en deuxième partie, un circuit qui colle plus au format actuel de Coupe du Monde, avec beaucoup plus de virages, partie plus nerveuse, des petites montées, petites descentes, et beaucoup de visibilité pour les spectateurs, puisqu'on va rester sur la même colline, avec une visibilité quasiment 80% pour les gens qui seront au-dessus et également pour ceux qui seront en bas à la ligne des départs arrivés. Donc ça sera très spectaculaire aussi pour les gens présents et puis pour la télé. Tu as été consulté pour le tracé, tu as donné ton avis naturellement? Oui, j'ai donné mon avis, mais j'étais vraiment, vraiment ravi de voir le travail effectué par l'organisation et puis par les bénévoles du club vosgien. Ça c'est aussi une belle histoire, on peut dire, parce qu'on parle souvent de cohabitation sur les sentiers, dans les massifs, entre les marcheurs, les vététistes, etc. Et là on voit une belle cohabitation puisque c'est le club vosgien, les marcheurs qui travaillent avec pelle et pioche pour créer les sentiers pour les vététistes. Donc c'est sympa. Quel souvenir te laisse ta dernière victoire à la Bresse? C'est l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Au niveau émotion, c'était très fort. Donc pouvoir revivre une Coupe du Monde à domicile, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est pour ça, l'année prochaine, c'est une année olympique. Il y a bien sûr l'objectif olympique, mais la Bresse, j'y pense beaucoup. Ouais, on se souvient de l'image où tu as retrouvé ton fils à la ligne d'arrivée. C'est des émotions qu'on veut retrouver en mai 2016, naturellement. Oui, c'est clair.